entrer dans le dernier tournant. Comme à chaque course hippique, l'ambiance est plutôt familiale dans le petit hippodrome de Prunay. Petit, certes, par sa taille, mais grand par la renommée des chevaux présents. Une aubaine pour les habitués. C'est des chevaux que je suis presque tous les jours. Je suis souvent à l'écurie et ils sont bien à l'entraînement. Son driver m'a dit qu'il pouvait une bonne chance. Donc, vu qu'il a gagné 2 courses il y a déjà 1 semaine et 3 semaines de ça, il a gagné 2 courses. Donc, il pouvait recommencer aujourd'hui et c'est ce qu'il a fait. Paris gagné pour Jean-Christophe qui a triplé sa mise, comme bien d'autres parieurs. Mais tous ne sont pas physiquement présents ici à Prunelli. En réalité, les paris se font dans le monde entier grâce à une retransmission télévisée internationale, une opération spéciale très intéressante pour la fédération. Quand on a une réunion normale, on fait entre 6 et 15 000 euros d'enjeux PMH. Là, on va quand même arriver à faire beaucoup plus. Donc il y a quand même un retour sur la société qui nous sert à faire de l'investissement après et surtout à servir aux frais de fonctionnement parce qu'on n'est pas trop aidé quand même par la filière. Et en effet, lorsqu'elle est télévisée, une course rapporte donc 250 000 euros. Une somme importante, mais l'occasion reste rare. À Prunelli, les retransmissions ne se font qu'une fois par an. Et le 7, Richard Conchère.